Geekzen, la culture 200% geek. Ok, alors je viens juste de tester One Piece, le dernier jeu en date. Moi j'ai pas mal aimé. Les 5 personnages qui étaient dispo, c'était Luffy et Zoro, l'un des deux personnages principaux. On a aussi trois autres personnages dont je me rappelle plus du tout les noms. Moi j'ai pris Zoro parce que j'aime bien ce personnage, je le trouve assez badass. C'est du beat'em all, hein, donc c'est du bourrinage. On passe d'attaque. En fait, ce que j'ai trouvé assez bizarre, c'est que en fait les sbires, ils arrivent par centaines, mais ils attaquent quasiment pas. Donc on perd très très peu de points de vue avec les sbires. Donc en fait, on bourrine, et puis on en tue comme ça à la mêlée 100, 200, 300. Après les plus gros boss, donc les samouraïs, sont un petit peu plus durs à tuer. Là, pour le coup, pour une fois, ils attaquent, mais des fois, ils se barrent aussi un peu en cacahuète. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une version de démonstration ou si ça va être corrigé par la suite, mais c'est vrai que par moment, le personnage va t'attaquer et à un autre moment, il va complètement s'enfuir. Bon. Voilà. Sinon, globalement, il est assez cool, mais ça bourrine, quoi. GeekGen, la culture 200% geek. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Et on lit tous vos commentaires.